ça va devenir sur la piste. 4000 livres en titre, on se prépare. Passez par la balance d'abord.
fait chaud. Pas facile, hein, quand même, là. Mais non, effectivement. Alors, M. Billot avec son dernier plan, c'est parti. N'oubliez pas, si vous voulez avoir des photos souvenirs aujourd'hui, le Pulling and Acceleration, c'est technique qui sont intervenus, ils prennent des photos un peu partout sur le terrain. Vous pouvez aller sur le site voir justement les photos qui sont présentées. Alors, 114 pieds pour M. Billot. Wow! Quand même! Avec son temps. Alors, allez voir ça, le site de Stéphanie. Pulling and Acceleration. Jean-Pierre Gagnon qui vient de prendre le départ. Jean-Pierre Gagnon de Rivière-du-Loup sur son point mort. Et Lucien J. Mignot. On est toujours en classe 4500 livres. Oh, j'en vais de regarder un peu plus bas sur le tableau. Après les 4500 livres, on aura le 4800 pick-up. Première classe des pick-up de la journée. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais. Le vent, là, il vient à place comme ça. Et quand il est là pour partir, on va dire que les doigts, ils s'en vont à l'aise. Et quand tu sais, ils sont venus à l'aise. On va pas Jean-Marc Soucy qui se prépare avec son tracteur. Jean-Marc qui est obligé de craquer. Mais écoute, son McCormick, là, ça part. Tu trouves ça rien qu'un coup de main, ça décolle. Et c'est parti pour M. Mercier. Départ tout en douceur. Thank you.
zone là-bas. Alors, le petit Sirois qui vient de prendre son départ sur son prise.
semaine. On va redonner toute la mine, il l'a vendu la semaine de temps avec le camion. Ah ouais? Ça commence un peu, il va se faire.
Pas sûr, là. Pas sûr, là.
Jason Williams, epic finish time.